Même si je préférerais juste enlever pour les games de Vex. Est-ce que je tarteau E? En vrai, oui. Et mon pipou ce skin. Allez. Bon, je pense que ça va être compliqué. Hein. Le scaling en face, c'est astro faramineux. Après, Kogapé, ça scale de ouf, hein, mais... Et j'aime trop le champ. Un champion que j'aimerais trop jouer, mais bon. On va dire que c'est encore pire que Vel'Koz, quoi. On veut push pour que ça revienne, pour setup un level 3 à Chap, j'imagine. Thorn Shield. Push celle-là. Prends Q level 2. Ah, j'ai pas réussi à pusher, j'aurais dû mettre un E. Ah, je vais pusher celle-là aussi du coup. Faire gank. 2,40. 2,50. Ça, on presse bien là. Nice. On voit Kindred dans la jungle de Chap. Je pense que si Chap est smart, il peut me cover ce qu'il veut jouer Karap. On l'a vu derrière. Elle joue Karap opposé. Si TP pour la wave, ce serait huge en vrai. Si TP pas, il perd. Ah, il a pas back, ok. Bon, ça va être un peu moins drôle quand il sera level 6 en face, mais c'est pas trop mal. Chap a pu voler un camp. Je vais rester s'il reste, hein, je pense. Pas chier. Il a pas peur, tu sais que là, hein. Ah, il a level. Et dire un E, ça peut le tuer. Hein. Il a pas pris les dégâts.
Bien joué. Je pense que Ghost est le mieux. J'arrive, faudrait qu'il me laisse la wave. Après, il peut prendre gros s'il veut. Ouais. Vraiment trop cog, hein. T'es en pixel. Hein, faut quand même se dire que j'ai un chapter d'avance sur lui, en termes de stuff, et je perds les trails, quoi, alors que j'ai pas mis 5 spells. Délire Kassadin. Hein. Mais bon. Parce que tu peux pas blind pick. Hein. Là en soi j'ai juste pris Cog pour dire de deny le Cog, parce qu'en soi je prends Qiyana mid ou un AD et il a pas de game, tu vois. Prendre Panthéon, faire n'importe quoi. Mais bon, c'est fine. Ratio. Bon, not bad. 3 de KP. 3 de KP sur Chap aussi du coup. Alors qu'on a joué un 2v3 au mid. On est devant Kassadin en farm, devant en XP, devant en gold, devant en tout. Pas mal. Pas mal, pas mal. Après, est-ce que ça va suffire pour tenir le scaling en face? On verra, mais... On va dire que là, déjà, le match-up au mid est plus trop jouable, quoi. C'est un peu tristouné ce qui vient de se passer au top. Je sais pas si je suis vu. Botlane a mis 10 ans à bouger. J'ai quand même eu le temps de prendre ma wave et de y aller. Et la botlane n'a pas bougé d'un poil alors que la wave est sous tour en face. Hein. Faut jouer les frérots.
pour le tempo. Il va TP mid, j'imagine. Pas prendre de risque. J'aimerais bien que la play tombe pas. C'est fine. J'avais pas de R. Je sais pas pourquoi Silas prend pas le R Qiyana et. Enfin le R Kindred et en remet un après que la Kindred soit morte. Mais bon. C'est fine. Bah il me faut des bottes PNE. En soi j'ai rien de spécial à acheter à part des. Par une pink. Hein. Ça m'a pris un kill. Non. Il y a Urgot qui m'a pris le shutdown. Pas faire grand chose de mieux pour l'instant, hein, je vais pas mentir. Et je pense que la top diff est insoutenable. Got. Il est bot. Ok. Pas base, ils veulent me laisser en side. Je suis pas forcément très fan de ça, mais. J'ai base, j'avais pas de mana. Prendre ça. Ça. 2000. Hype. Là, j'ai pas le chat. Faudrait que Chap leur dise, mais je suis pas censé aller. Nice exhaust. Très 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 bon exhaust. Elle m'a sauvé en fait. Il l'a d'ici ? Bah merci à Kindred de m'avoir littéralement sauvé. Enfin la Kindred est trop conne. C'est parce que, enfin, je ne peux pas mentir que si Kindred erre pas, il aurait Fear Chap, j'étais mort. Je pense qu'on perd et on perd direct, tu vois.
Ben, genre, la Kindred vient juste de solo lose, elle est trop conne. Ah ouais. Les dégâts sont plutôt... Ils sont... Et j'ai pas encore Seraph, hein. Je vais faire Rabadon en 3 de toute façon, je pense. J'avais même pas besoin de flash, j'étais mort des creeps. Attends. Ah fuck, y'a la wave. Cassadin. Ouais. Dommage. Je grille d'une wave. Hop. Rabadon ou Void. Morello. Je pense que Rabadon est le mieux. Il y a juste des mercures sur l'autre. Je pense que Rabadon c'est le mieux by far. Enfin un Zonia je pense. Par contre il doit me laisser le bleu chap. Si possible. Arrêtez de me dire Void, vous comprenez pas. En fait, genre quand je fais ça, c'est genre c'est des questions rhétoriques. Enfin, genre je me pose la question à moi-même. N'essayez pas de répondre alors que vous avez. Enfin. Je ne vais pas faire Void s'il n'y a pas de résistance magique, en fait, les gars. Les gens dans le chat qui sont en mode... Le Urgot tank trop. Oui, bah, il tank trop, mais il n'a pas d'RM, donc faire un Void ne fait pas faire plus de dégâts sur lui. Enfin... Bref. Silver, quoi. Silver Mentality. Cassade hein, quand on joue Kog'Maw, mais bon, c'est moi qui ai choisi cette game de jouer ça en connaissance de cause. Il va juste un V9 lui je pense hein. Je vais pas mentir, c'est quoi son mythique? Frostfire j'imagine. Bon, je suis un peu stuck. Hein. Parce que je peux pas aller en side avec Kog'Maw contre bah, ni le Urgot, ni le Kassadin, tu vois. Je ne peux pas aller en side. C'est littéralement impossible. Donc je suis un peu stuck à devoir prendre des ressources. Nice exhaust encore une fois. Il n'y a pas de mana le Urgot. Il y a un joue échappe. On peut Nash. Kindred est peut-être là. Hein. Nice smite. Allez au golem.
Nice. Je fais TP back. Après avoir pris Wave Top. LOL, c'est des maths tout simplement. T'es mieux de la paix. Ouais, ok. Pote avec Toucan Céleste, toi, non? Ah non, LOL, c'est pas des maths. C'est des maths, mais pas que. Et dans les paramètres que t'es pas capable de prendre en compte parce que t'es silver et que tu comprends rien par les maths, bah c'est que je ne tape pas le Urgot et je ne tape pas un mec qui a de la RF. Donc ferme ta gueule, fils de pute, je fais Rabadon et si t'es pas content, bah ne va te faire enculer et change de stream. J'en ai marre en fait. Des gens qui backstab. J'en ai juste marre. Il va dash. Nice. Ma DM en mode je ban abuse. Non, non, il n'y a pas de ban abuse. Arrêtez en fait. Genre arrêtez, je ne sais pas quand est-ce que les gens comprendront, mais il faut arrêter en fait. Il faut arrêter. J'en ai marre de tourner la tête à chaque nanoseconde et voir un mec essayer de backseat et de m'apprendre à jouer et à build. J'en peux plus en fait, c'est insoutenable. Tous les jours, toutes les minutes, chaque fois que je tourne la tête, il y a forcément un mec qui backseat, tout le temps. Raison pour lui insulter ses morts? Bah j'en peux plus en fait. Je pense l'avoir assez dit, je n'en peux plus. Non. Bah, nice. Genre, je pense que vous ne comprenez pas en fait. Vous ne comprenez pas ce que ça fait. Pourtant, c'est pas bien compliqué à comprendre. Je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais imaginez-vous un mec différent tous les jours. Enfin, toutes les 5 minutes, tu vois. T'es au taf, donc on va dire 8 heures par jour, vu qu'un boulot. Qui n'est pas streamer, c'est plus un truc du style 8 heures par jour, on va dire ça comme ça. Toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui vient te voir au boulot et qui te dit non, fais pas ça, fais comme ça. What the fuck? Alors que toi, t'es là, t'as ton taf, t'as fait des études pour ça et tout, et toutes les 5 minutes, il y a un fils de pute, un random qui vient et qui te dit fais ça, what the fuck? Bah non, ta gueule, je sais mieux que toi en fait. C'est trop chiant. Viens fou au bout d'un moment, genre. Thank you for your contribution. Faire gaffe. Hein.
l'ai pas vu. C'est bon, les creeps finissent, j'imagine. Ok, nice. Submode soon. Bah, en vrai, ce serait une solution assez bonne. Mais le problème, c'est que cette solution est une... mauvaise solution, parce que ça punit des gens qui n'ont rien demandé, en fait. Et qui peuvent pas ou n'ont pas envie de sub pour X ou Y raison. Et que je ne vais pas punir une majorité silencieuse pour une minorité bruyante de sale merde. Non, BO. Normalement, j'aimerais bien dodge le BO, mais bon, on est avec Chap, on va le duo et... si on fait deux wins, je dodgerai les trois d'après, c'est fine.